إذا نتواجد على مستوى مع التكنولوجيا الصيد البحري مدينة العرائش، حيث يحتضن اليوم النهائي لدورة تدريبية اللي شاركت فيها مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة الممثلة من إفريقيا. إذا على مدى شهر كان التدريب على مستوى هذا المعهد، واليوم هو اليوم الختامي. كل الاستعدادات كل الترتيبات تتخذ من اجل استقبال السيد عامل والوفد المرافق له وكذا بعض الضيوف والسفراء. إذن نتواجد على مستوى معهد الصيد البحري مدينة وصول السيد العامل على مستوى معهد التكنولوجيا للصيد البحري. طبعا d'Afrique francophone bien renommée puisqu'elle s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l'AFAO sur les directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche. De la coopération et des affaires juridiques, Madame et Messieurs les participants, Monsieur le représentant résident de Djika, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au sein de l'Institut Technologie des Pêches Maritimes, ITPM, de Larache, qui est le centre d'une fructueuse coopération maroco-japonaise, afin de participer à la cérémonie de clôture de la première édition de la première phase du séminaire régional de formation dans le domaine de développement et organisation de la pêche artisanale au profit de stagiaires africains. Comme vous le savez, ce programme de formation s'inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire entre le Japon, Maroc et les pays africains. Parmi les nombreux programmes de coopération entrepris au Maroc par le gouvernement du Japon, ce type de coopération tripartite représente une importance non négligeable de la coopération maroco-japonaise. Mesdames et Messieurs, ce séminaire qui est tenu au sein de l'ITPM ici a pour but de contribuer au renforcement des capacités des pays africains en matière de gestion durable des ressources halieutiques conjuguées d'une approche participative en vue d'une bonne application des plans d'aménagement des pêcheries. En cette heureuse occasion, je me félicite du bon déroulement des programmes de votre séminaire. Ainsi, il est bon de rendre hommage à tout le personnel de l'ITPM qui ont, depuis le démarrage de ces programmes en 2004, ont fait heureux. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Japon au Maroc, monsieur le gouverneur de la province de Larache, excellence, monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, excellence, monsieur l'ambassadeur de la République du Cameroun, monsieur le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, messieurs les représentants des ambassades africaines accréditées au Maroc, monsieur le directeur de l'ITPM de Larache, madame, messieurs les participants, mesdames et messieurs. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom de monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, qui m'a fait l'honneur de le représenter à l'occasion de cette cérémonie qui clôt aujourd'hui le stage de formation internationale intitulé Développement et organisation de la pêche artisanale, organisé depuis le 22 octobre 2015 à l'Institut de technologie des pêches maritimes de Larache. Ce séminaire auquel nous assistons est donc le nouvel accord de coopération tripartite signé entre le département de la pêche maritime et la GITA en décembre 2014 pour l'organisation de sessions de formation technique permettant ainsi la participation de 12 stagiaires représentant 8 pays africains subsahariens, en l'occurrence le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Madagascar, le Sénégal et l'Union des Comores. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc entretient des relations de coopération très solides et très diversifiées avec plus d'une quarantaine de pays africains dirigés par un cadre juridique comprenant des accords de coopération. Cette coopération est régie en partenariat sud-sud agissant et solidaire repose sur certains fondamentaux, à savoir le soutien au développement durable, la valorisation des compétences humaines, le transfert de savoir-faire et le partage d'expertise. L'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la coopération. Messieurs les ambassadeurs du Japon, du Sénégal, du Cameroun, ainsi que le président du Gabon, monsieur le directeur de l'agent résident, monsieur le représentant résident de l'agence japonaise de la coopération internationale, l'AGECA, monsieur le représentant de l'agence marocaine de la coopération internationale, madame la directrice de la coopération des affaires juridiques.
ainsi que pour le jeune Capitain, auquel je leur souhaite bon courage et bonne continuation dans vos pays respectifs et dans vos pays et dans vos métiers futurs. Donc, premièrement, c'est un honneur et un privilège de participer dans cette clôture de cette formation qui, pour nous, toujours nous donne le sentiment de contribuer de près ou de loin à voir nos jeunes et moins jeunes qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, sinon par la coopération qui existe entre les pays pour pouvoir maintenir des secteurs en bonne santé et plein de perspectives d'avenir et de renforcement de nos techniques et de nos savoir-faire afin de généraliser et de préserver ce secteur tant cher à nos pays. Et je me serai donc exprimé mes remerciements pour notre pays frère, ami de tout temps, qui est le Japon, pour la persévérance de notre coopération, tant sur le plan humain que sur le plan gouvernemental, afin que notre pays puisse bénéficier de la grande expertise des secteurs qui ont été formulés par le représentant de l'Agence bancaire de coopération internationale qui diversifie, qui ancre dans le temps et dans le futur, j'espère. Et cela démontre un peu l'implication effective du pays du Levant, à savoir le Japon, et aussi par le pays du représentant par l'Agence japonaise de coopération internationale, autant son implication dans cette coopération dans divers secteurs qui ont été énoncés. Et donc je saurais vous remercier autant pour votre fidélité et votre implication vis-à-vis du Maroc, qui a tant appris votre expertise, qui a tant appris avec votre sens du devoir, sens de la responsabilité, sens de la préservation de notre patrimoine, de nos ressources, et bien sûr en valorisant la ressource humaine qui est aussi aujourd'hui en train de s'exporter vis-à-vis de nos frères africains qui sont là présents et qui, j'espère, d'autres jeunes africains pourront aussi bénéficier dans un futur court et en moyen terme. Et je voudrais aussi oublier, tel qu'il a été cité, cette coopération sur le sud, disons, maroco-africaine, africaine-africaine, initiée par Sa Majesté, en collaboration et en parfaite synergie avec les hauts dirigeants de nos pays frères et amis africains, auxquels aujourd'hui on a scellé des pactes, on a scellé un partenariat solide, concret, qui se matérialise dans des projets structurants, aussi bien dans notre pays que dans ses pays frères, que ne cesse d'initier Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, le Bassiste, dans le cadre de cette coopération bilatérale, triangulaire, et bilatérale et multilatérale. Et je me saurais aussi remercier tout le staff ici présent qui ne cesse de déployer tous ses efforts afin de maintenir le niveau de cette formation dans des qualités qui sont reconnues aussi bien chez vous que chez nous, que dans nos frères et amis qui sont aussi présents ici. Et je ne saurais conclure mon compte sans remercier la présence de tous les membres du corps diplomatique ici présents et de responsables des services extérieurs qui sont chez nous, qui ne cessent aussi de fournir tous les efforts pour que ce projet puisse durer dans le temps. Et j'espère que quand on va parler de ces futurs marins, de ces futurs techniciens, de ces futurs experts, en train de renouveler et perpétuer cette tradition qui est la coopération internationale avec notre pays, frère Japon, les pays africains que j'ai cités et le monde, bien entendu. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le représentant du département de la pêche maritime,
Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Japon. Madame la Directrice de la Coopération et des Affaires Juridiques. Monsieur le Représentant de la GIGA. Monsieur le Directeur de l'Agence marocaine de la Coopération internationale. Excellences, Monsieur les Ambassadeurs et les représentants diplomatiques. Monsieur le Directeur de l'ITPM de l'Arache. Distingués invités. Chers collègues. Mesdames et Messieurs, le jeudi 22 octobre 2015, nous avons procédé en ces mêmes lieux à l'ouverture officielle du stage régional de formation. C'est pour moi un infime honneur de prendre la parole à cet instant solennel au nom des 12 stagiaires représentant les 8 pays africains que sont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Madagascar, l'Union des Comores et le Sénégal, pour témoigner notre gratitude à l'endroit de ceux qui ont financé et organisé ce présent stage de formation sur le thème développement et organisation de la pêche artisanale. Le rôle important que joue la pêche pour le continent, la contribution significative qu'apporte la pêche artisanale sur le plan nutritionnel, économique et social aux couches les plus vulnérables et les diverses contraintes liées au secteur qu'on fait choisi et aux différents sujets à développer un intérêt tout particulier. Ainsi, pendant 30 jours, nous avons pu bénéficier d'une formation de qualité dans des conditions convenables et récréatives. Nous sommes au terme d'un stage très enrichissant et nous voudrions vous assurer que de retour dans nos pays respectifs, les précieuses connaissances. Mon fils est pour Monsieur le gouverneur de la province de l'Arache et je demanderai à Monsieur l'ambassadeur du Japon de bien pour